une toiture qui fuit pour annuler la première exposition d'art de Montserrat. Qu'est-ce que vous en dites? J'adore! C'est la sculpture la plus électrisante que j'ai jamais vue. Qu'est-ce que c'est? Je vous présente la canine volante. Ta peinture sur planche est monstrueusement belle, Laguna. Merci, j'adore surfer sur les tendances. Wow, Cléo, c'est trop bien! Où est ton œuvre, Claudine? Oui, où est ce chef-d'œuvre dont tu m'as tant parlé? Oh, il vaut bien la peine d'attendre, maman. Je n'aurai que deux mots pour décrire mon œuvre d'art. Terriblissime. Espérons qu'elle résiste à l'eau. Tu l'as pas commencé, hein? Si, ça ne te stresse pas? Pas du tout. Complètement. Toutes mes félicitations, les goules. Vos œuvres d'art sont à couper le souffle. Papa, quand est-ce que tu comptes réparer le toit? Oh, quelques gouttes ne peuvent pas faire de mal. Il n'y a absolument aucun problème avec ce toit. Je crois qu'il va nous falloir un peu plus de seaux. Et peut-être un nouveau toit. Ce qu'il faut à cette école, c'est une gargouille. Mais les gargouilles ne font rien à part rester assises sans bouger. Non, quand elles mangent, on entend leur ventre le gargouiller. Bien, plus sérieusement, c'est ce que les humains croient qu'elles font. Mais les gargouilles ne sont pas seulement des êtres protecteurs. Ce sont les monstres les plus travailleurs du monde. Et les gargouilles sont expertes dans l'art de réparer les toits. Quand personne ne les regarde, elles réparent les toits où elles sont posées. Où allons-nous trouver une gargouille? Elles vivent d'ordinaire dans de vieilles villes comme Budapest, Bucarest. Oui, mais les meilleures gargouilles se trouvent à Paris. Parce que c'est dans cette ville que l'on trouve ce qu'il y a de mieux. Les meilleurs parfums, les plus beaux vêtements, les meilleurs restaurants. Mais en quoi cela va-t-il vous aider à trouver une gargouille? Oh, en rien. Mais ça va nous aider à passer un merveilleux séjour à Paris pendant que nous chercherons une gargouille. Oh, bonne chance dans vos recherches. N'oubliez pas, il ne faut pas que les humains vous voient. Gargouille Exto Monstrum! À Paris! Paris! Il y a tellement de choses incroyables à faire dans cette ville. On est là pour trouver une gargouille, Cléo. Bien sûr, mais ça pourrait nous prendre des jours, voire des semaines. Et d'ici là, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas en profiter. Oh, en voilà une! C'est pas possible. Oh. Vous n'avez qu'à prendre les escaliers, moi. Je prends un raccourci. Désolée, petite chauve-souris, mais je ne peux pas te laisser te poser sur le toit que je viens de réparer. Oust! Nous qui étions venus demander un coup de main. Oh, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que tu étais un monstre. Je m'appelle Rochelle, et vous? Laguna, Frankie, Cléo... Et moi, Draculaura. Le toit de notre école a un sérieux problème de fuite. Attendez, vous allez à l'école avec les humains? Oh non, notre école est réservée aux monstres. Tu vas adorer. Je n'en doute pas. Mais je dois d'abord réparer ce toit. Et autant vous dire que c'est assez compliqué. Pourquoi ça? Roxpierre. Et qu'est-ce que c'est un Roxpierre? Oh, c'est lui, le fameux Roxpierre. Alors, comment avance ton projet, ma petite boule de poils? Oh, j'ai presque terminé. Je profitais d'une petite pause pour essayer d'arrêter cette inondation. Oh, toi, les autres amateurs d'art allez devoir attendre demain. Bon, d'accord. Abby! Claudine, tu as menti. Bien sûr que non. Et tu continues de mentir. D'accord, il est possible que j'ai un tout petit peu transformé la réalité. J'essaye de trouver une super idée pour mon œuvre d'art, mais c'est compliqué avec toutes ces fuites d'eau. Abby peut peut-être t'aider. Oh, waouh, c'est génial! Ça ne dure pas éternellement, comme la vie. Quand la glace aura fondu, l'eau recommencera à fuir. C'est fou! La glace est... froide et dure, comme la vie. Tu m'as l'air très positive, dis donc. J'étais sur le point de dire que la glace était magnifique. En fait, on dirait presque... de l'art. Tu voudrais bien me rendre un service? Ça a l'air plus amusant que faire refroidir la soupe.
En fait, je dirais que tout est plus amusant que de faire refroidir de la soupe. Très bien. La question qu'il faut se poser, c'est... À quelle heure ouvre cette boutique de parfums? En fait, j'allais plutôt dire... Pourquoi Roxpierre ne cesse de détruire ce toit? Oui, c'est aussi une bonne question. Je ne sais pas. Les gargouilles sont des êtres protecteurs. Et réparer les toits fait partie de leur mission. Mais ce Roxpierre est tombé sur la tête. Vraiment? Je voulais dire par là qu'il est complètement fou. En parlant de fou, le voilà qui revient! Il est temps d'avoir une petite discussion avec lui. Allez, les goules! Ça suffit! La prochaine fois que Roxpierre décidera de foncer sur ce toit, nous l'attendrons avec un super plan pour le capturer! Est-ce que quelqu'un a un super plan? Je sais! Je vais aller faire un tour pour m'aérer l'esprit et réfléchir à un super plan pour attraper Roxpierre. Oui, ou bien faire de lèche-vitrine. Et alors? Vas-y, mais fais attention aux humains! Incroyable, même la vitrine sent bon. Hein? Roxpierre. Alors, comment Rochelle fait-elle déjà? Je pose la planche, je place le clou et je l'enfonce dedans. Je rate le clou, je m'écrase le doigt et... Ah! Je ne serai jamais une bonne gargouille. Oh! Donc, Roxpierre n'est pas une méchante gargouille. Il n'est seulement pas très doué pour réparer les toits. Et je crois bien que s'il fait des trous dans le tien, c'est pour te regarder le réparer encore et encore, parce qu'il n'ose pas te demander de l'aider directement. C'est ridicule! Je l'aurais aidé avec plaisir. Waouh! C'est du très bon travail, Cléo! Merci beaucoup. À présent, nous allons célébrer notre victoire dans la joie et la bonne odeur. Oh, cette exquise sensation de brûlure, c'est le signe que ce parfum est des plus distingués. Ah ah! Je me disais bien que j'entendais fouiner dans le coin. Je ne fouinais pas, voyons. Je venais seulement, regarder le plus discrètement possible afin que tu ne puisses pas m'entendre. Oui, donc tu fouinais. Peut-être un petit peu. Alors, comment ça avance derrière ce rideau? Très bien. On se revoit à l'exposition. Espérons que ça marche. On va bien voir. Le voilà! T'es en colère? On dirait bien. Disons que je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Bon. Très bien. Je vais te montrer comment on répare un toit. Oh. Plus question de faire des trous, tu dois seulement les réparer, d'accord? Oui, comme une véritable gargouille, car je suis maintenant une bonne gargouille qui sait réparer les toits. Merci Rochelle, les goules, vous êtes les meilleures. Je vais réparer ça. On ferait mieux de retourner à Monster High avant qu'il ne finisse sous l'eau. Veux-tu venir, Roxpierre? C'est gentil, mais il reste beaucoup de toits à réparer ici et c'est en grande partie à cause de moi. Bon voyage, les goules! Allons voir ce que nous pouvons faire pour le toit de votre école. Bravo pour les réparations. Le toit est comme neuf. Merci. Claudine, est-ce qu'on peut enfin voir ton œuvre d'art? La voilà! J'ai coloré l'eau de différentes teintes. Puis Abby l'a transformée en glace et j'ai pu la sculpter. C'est très gelé. Tu veux dire très joli plutôt? Non, c'est gelé. C'est de la glace. Alors maman, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que ça valait le coup d'attendre. Cette école est vraiment merveilleuse. J'aimerais pouvoir y rester plus longtemps, mais je dois m'en aller. T'en aller? Mais où ça?
Hélas, c'est la triste vie des gargouilles. On répare les toits, et ce toit est comme neuf à présent. Il est donc temps que je m'en aille pour en trouver un autre à réparer. Oh non, attends, tu sais, il pleut énormément par ici et de nouvelles fuites pourraient apparaître d'une minute à l'autre. Pas vrai, les ghouls? Oui, ce bâtiment est tellement vieux qu'il tombe pratiquement en ruine. En fait, je crois que j'aperçois déjà une nouvelle fissure au plafond. Hein? Où ça? Là. Bien, s'il y a d'autres réparations à faire, j'imagine que je vais rester pour vous aider. D'accord? Oui! Voilà la cour de Monster High. Tu vas être amené à passer beaucoup de temps ici entre tes cours. Et voilà ton nouveau casier avec un kit de bienvenue pour t'aider à t'installer. Et voilà toute une classe d'élèves monstres qui sont très impatients de te rencontrer. S'il vous plaît, dites bonjour à notre nouveau camarade, Gil. Bonjour, Gil. Bonjour. Les ghouls et moi venons de secourir Gil qui vivait sur une île tropicale avec un volcan en activité. Oh, j'ai envie d'aller voir une île tropicale. J'ai envie d'aller voir un volcan en activité. Ah, c'était une île vraiment terriblissime. Surf le matin, promenade sur la plage l'après-midi, le sable entre les doigts de pied palmés. Ah. Mais Monster High a l'air vraiment monstrumental aussi. Tu ne crois pas que ton île va te manquer? C'est que j'ai passé beaucoup de bons moments là-bas. C'est affreux d'imaginer que ce volcan pourrait faire disparaître cette île magnifique. Imagine qu'il existe un moyen de sauver ton île. Oui! Allons sauver cette île! Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller encore. C'est aussi pour remonter le moral de Gil. Le satellite montre que le volcan n'est pas encore entré en éruption. Mais il ne reste pas tant de temps que ça pour sauver l'île. Oh, regardez, il est écrit ici que vous êtes toutes tombées sur la tête. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je vais vous laisser partir sur une île volcanique? Oh, allez, faites-nous confiance, monsieur Dracula. Les ghouls, est-ce que vous savez comment on pourrait arrêter le volcan? Pourquoi ne pas le geler? C'est ridicule. Vous venez d'où comme ça? Oh, on s'incruste toujours quand on entend parler de volcan. Attendez un peu. Croyez-le ou non, Race tient peut-être quelque chose. On pourrait geler le volcan avec de la glace. Peut-être qu'il existe quelque part un monstre avec le pouvoir de geler les choses. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'abominable homme des neiges aurait une fille. Une goule qui posséderait un pouvoir givrant. Génial! L'équipe des ghouls, nous avons notre prochaine mission. Sauver le monstre des glaces, sauver l'île de Gil. Et sauver mon week-end. Ne t'inquiète pas, Gil, l'équipe des ghouls est sur le coup. Abominable exto-monstrum. Ghoul. Rhett, Deus, je vous ai cherché partout, les gars. Désolé, Harry, mais ils étaient en train de parler de volcan. Vous m'aviez promis que vous alliez m'aider à faire mon clip pour que tu trembles encore. J'ai 5 millions de fans déchaînés qui attendent que je le mette en ligne ce soir. J'ai presque compris tous les mots. Mais après, je me suis mis à penser à des volcans. Oh, ça me donne une idée pour faire le clip le plus enflammé jamais créé. Normal. Vous, les ghouls, quand vous partez en mission, vous allez à la plage. Et quand je décide de venir avec vous, c'est pour me geler les bandelettes. Est-ce que l'une d'entre vous sait comment repérer des indices dans la neige? Quand je ne suis pas à la mer, je suis un peu perdue. Eh bien, la cartologue nous a téléportés directement entre ces deux montagnes gigantesques. Je suis prête à parier que notre ghoul égaré est au sommet d'une des deux. Frankie, toi et Cléo, prenez cette montagne. Claudine, Laguna et moi, on va explorer l'autre. Attendez, on n'est que deux. On devrait donc prendre la montagne glacée et vous, la montagne enneigée. Ça me va. Attendez, en fait, j'ai changé d'avis. On devrait faire comme tu as dit au départ. D'accord. Attendez. Décide-toi. D'accord. Je choisis celle-là. Qu'est-ce que c'est? Un volcan. Tu vas en avoir besoin.
Vous pouvez m'expliquer ce que ce volcan vient faire dans mon clip? T'as envie que ton clip soit le plus enflammé, le plus rock'n'roll jamais fait, n'est-ce pas? Eh bien, y a rien de plus enflammé ou de plus rock'n'roll qu'un volcan! Science de la musique! Je savais bien qu'on aurait dû prendre l'autre montagne. Il faut qu'on se concentre, on doit trouver cette goule des glaces. On joue contre une montre volcanique, là. Volcanique, ça me réchauffe rien que d'y penser. Oh, sais-tu ce qui pourrait m'aider à me concentrer? Un petit coup de jus, comme tu sais le faire. Veux-tu que je t'envoie une décharge électrique? Pas directement sur moi, attention, mais oui, tu peux envoyer une bonne petite décharge dans ma direction. D'accord. Une étincelle. Ah oui. Oh, oh. Oh, c'est affreux, j'ai les mains glacées. Si c'est aussi difficile de notre côté, je ne préfère pas imaginer ce qu'elles vivent sur l'autre montagne. Tout le monde dit Ouistiti. Ouistiti. Okidoki, on est arrivé au sommet de la montagne, mais on n'a toujours aucun signe de notre goule. Bizarre, non? Qu'en pensez-vous? Et qu'est-ce que tu dis de ça? Pas mal comme signe. Qui va là? Elle? Des visiteurs? Je ne reçois jamais personne. Allez-y, entrez. Je vous en prie, prenez place. Cône glacé, pizza congelée. Je m'appelle Abominable, au fait. On voudrait t'inviter à nous rejoindre dans une école terriblissime qui s'appelle Monster High. Mais d'abord... On a un petit service à te demander. On a besoin de ton pouvoir givrant pour geler un volcan qui est sur le point d'entrer en éruption et de détruire l'île d'un ami. Vous me faites une blague, les Gaules. J'aime bien les blagues. Maintenant, je vais rire à votre blague. Ha! Oh, ce n'était pas une blague? Non. Il vous faut un pouvoir givrant. Je suis votre goule. Allons voir ce volcan pour qu'il ravale sa lave. Vous ne trouvez pas que ma blague est drôle? Bienvenue parmi nous, Abby. Allons arrêter ce volcan. Oh, mais d'abord, il faut qu'on retrouve nos amis qui sont sur l'autre montagne. Vous avez des amis sur l'autre montagne? Tu dis ça comme si c'était pas une bonne chose. Oh, on n'a vraiment pas fait le bon choix en prenant cette montagne. Oh. Est-ce sans danger? On porte des lunettes de protection. Je vais être franche avec vous. Je m'imaginais quelque chose d'un peu plus simple, comme, je ne sais pas, une chorégraphie avec des amis, par exemple. Ouais, ouais, ça pourrait le faire. Mais je n'ai pas entendu une seule fois le mot volcan dans tout ce que tu as dit. Ok, on peut tourner. Prise une, la montagne de feu. Prêt? Ça tourne et action! Oh non! Peut-être qu'on a mis un peu trop de fausse lave. Peut-être. On est vivant. Attends, où est Harry? 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 Oh non! On a volcanisé Harry! Oh! Rien de plus facile que d'échapper à de la fausse lave quand on est un fantôme. Cool! Oh! Ah! Oh! Quoi que tu fasses, ne mets pas le pied sur cette fissure. Oh! Non mais sérieux! Je n'ai même pas mis le pied sur la fissure! C'est passé là. Hé, hey, regarde, j'ai trouvé la goule des glaces. On n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on retourne sur l'île pour arrêter ce volcan. Attendez, il ne faut pas qu'il y ait un monstre sur l'île pour que la carte à l'aube nous téléporte là-bas. Ce n'est pas un problème. Je me souviens d'un petit monstre qui y est toujours. Merci, docteur Frankensinge.
Est-ce qu'on est arrivé à temps pour arrêter l'éruption? Oui, on ferait mieux de se dépêcher. Abby? Ça va glisser. Ok, maintenant je commence à regretter la montagne glacée. Glacier ou lait de yak. Qu'est-ce que tu veux? Je vous remercie d'avoir sauvé mon île et de m'avoir accueilli à Monster High. Et aussi d'avoir sauvé mon week-end. Hé, oh, beau travail, les amis! J'ai droit à un décor pour mon clip et à une fête entre ghouls. Et puis nous, on a notre volcan. Frankensage!